Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo sur Dadju, Bob Marley. Alors, Dadju. Le cas de Dadju. Alors, initialement, je l'ai connu. Alors, je crois que je l'ai connu, mais très furtivement, mais genre très furtivement. Dans l'école des points vitaux à l'ancienne. Enfin, l'école des points vitaux. Leur groupe, enfin, la section d'assaut, mais genre au groupe élargi. Ouais, je crois que ça s'appelait comme ça, l'école des points vitaux. Si, je crois que ça s'appelait comme ça. Je parle pas de l'album, je parle du groupe. Avec vraiment tout le monde dedans. Je crois que je l'ai connu dedans parce qu'il était en featuring ou un truc comme ça d'une chanson, mais genre très vite fait, mais je m'en foutais à l'époque. Ensuite, je l'ai connu dans Shinsekai. Shinsekai, il faisait des sons qui étaient pas mauvais quand même. Et ouais, non, du coup, Dadju a toujours été dans ce style d'essayer de faire des chansons calmes ou avec un minimum de vérité en fait. Pas vraiment comme Maître Gims. Par contre, à l'inverse, Maître Gims, lui, arrive à faire des sons qui ressemblent un peu aux thématiques de Dadju. Donc du coup ça marche dans un sens mais pas dans l'autre. Ouais, et par contre Dadju effectivement avec son dernier album, il s'appelle comment? Gentleman 2.0. Ouais. Et ben il a fait un truc de ouf, franchement. Parce que pour moi, on peut pas dire qu'il a percé, parce que pour moi il était déjà connu avant. Il était déjà connu, mais les gens s'en foutaient plus ou moins quoi. Bah, après il était connu. Sauf que là clairement ouais il est... Bah en fait c'est plus les femmes qui se sont dit sûrement à ce moment-là, ah ouais non Dadju en fait il est chaud et tout. Parce que clairement, je suis sûr que la plupart des gens qui ont kiffé l'album de Dadju ne savaient peut-être même pas qui c'était avant. Sauf vite fait, comme je dis dans les Shinsekai, mais sans plus quoi. D'ailleurs, à ce propos, Dadju et Maître Gims, enfin chacun de leur côté, Dadju a dit que non, les Shinsekai c'était pas fini et tout, qu'ils allaient peut-être reformer le truc et tout. Et Maître Gims a dit pareil, peut-être que la section c'est pas fini, ils vont peut-être reformer tout ça. Alors autant pour Dadju, je veux bien croire que Shinsekai c'est pas fini, autant pour Maître Gims, faut arrêter de faire genre la section c'est fini. Et dans les deux cas, refaites pas ça, continuez vos carrières en solo, c'est mieux. Même si, clairement, je préfère Dadju que Maître Gims, en ce moment, et même de manière générale, clairement. Parce que je trouve que Dadju, il a plus la tête sur les épaules encore. Gims, il est parti un peu trop loin. Enfin bref, Bob Marley, on va voir ce que ça donne. Bob Marley, ça doit être l'une des seules musiques de son album que j'ai pas écouté. Je sais pas, j'ai écouté son album, mais en furtif. Et sauf que le truc, c'est quand t'écoutes l'album de quelqu'un et que t'enchaînes toutes les musiques, et ben au bout d'un moment, t'as l'impression que toutes les musiques se ressemblent en fait. Parce que c'est la même personne, genre, sur un album. Une musique, ça dure 3 minutes. T'en écoutes 10, ça fait 30 minutes. Ça fait genre une demi-heure que t'écoutes des musiques avec la même voix. Et en fait, au bout d'un moment, moi j'ai l'impression que c'est la même personne. Que c'est la même chanson à chaque fois, du coup, je laisse tomber. Enfin bon, let's go! Ah, il a fait un truc avec un décor. Il a réussi à faire un clip avec un visuel jamaïcain, quoi. Les habits des personnages et tout.
Lui-même y joue avec sa propre instru dans son propre clip. Elle reprend même des phrases de Bob Marley. Très bon clip. Clairement, ça c'est du Dadju 20 sur 20. Du Dadju 20 on 20, 20 sur 20, 20 on 20, je sais pas quoi, on s'en fout. Non, clairement ça passe. En fait, moi le truc qui m'a étonné dès le début, c'est de voir l'ambiance jamaïcaine qu'il y avait dedans. Parce que genre, en fait, je veux dire tout ce qu'il y avait de jamaïcain. Le jeu, genre, un moment on les voyait poser des dés, etc. Jamaïcain, enfin jamaïcain. Entre autres, tu vois ça aussi aux Antilles, mais c'est jamaïcain aussi. Les couleurs de fond, ça tournait autour du. Ça, ouais, ça tournait autour, genre en mode un bleu un peu foncé avec un vert foncé et un genre de bordeaux foncé. C'est un genre de mélange de ces trois couleurs-là, ça tournait que avec des teintes comme ça. Avec, bon, ouais, un peu de jaune, bah forcément, il en faut aussi, mais ça tournait autour de ces teintes-là. Ça, c'est du typique jamaïcain. Même les décors, vous savez, les sortes de plantes. Cannabis? Bref. Non, non, mais non, sérieusement, c'est. Ouais, c'était typique jamaïcain, quoi. Genre, à la fin, même avec le mec qui. Vous savez, les sortes de. Même le haut de sous-vêtement du mec à la fin, là, du DJ. Et même la sorte de. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ça, je vais dire une bêtise. Le genre de tissu dans lequel tu mets tes tresses. Dans lequel tu mets tes nattes, etc. Ça, c'est un truc typiquement jamaïcain pour tenir les nattes, en fait. Tu les attaches et après, tu mets ça et ça les tient. T'avais ça. Même le style de Dadju dedans, le genre de bandeau qu'il avait avec les lunettes en mode un peu fumé, etc. Ça, c'est du typique jamaïcain. Et ouais, même l'habit des personnages, leur look, leurs affaires et tout, c'est. Non, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Bien wesh, Dadju. Franchement, bien vu. Stelosters, prenez soin de vous. Je sais pas si c'est un hommage à Bob Marley. Je l'ai pas pris comme ça, moi, clairement. Je l'ai pris comme une musique de Dadju lui-même. Qui voulait appeler sa musique comme ça. Comme ça. Après, oui, je pense que si on lui demande pourquoi, il va sûrement dire quand j'étais petit, j'aimais écouter Bob Marley ou des trucs comme ça, c'est sûr. Mais non, en tout cas. Non, bon son, bon son. Tchuss!